Pendant qu'on élève le Fils de l'homme, on lui dit, Seigneur, règne ce soir. Règne ce soir dans nos vies. Règne ce soir pendant ce temps que nous allons passer dans ta présence. Que toi seul tu règnes en ce lieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, que les ténèbres règnent en ce lieu. Il était dit que les ténèbres ne règnent pas pour toujours. Tu vas demander que le Saint-Esprit règne avec nous pendant ce moment. Bien-aimé, qu'aucun esprit maléfique ne se manifeste dans cet endroit. Nous ramenons captif tout esprit qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus-Christ. Mais que son règne à lui seul soit manifeste. Il dit, Seigneur, règne ce soir. Règne dans ma vie. Règne à moi, Saint-Esprit de Dieu. Prions, alléluia. Prions le Saint-Esprit, alléluia. Jésus, Jésus, alléluia. J'attends à Bada, 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 Bada. Alléluia. Adore à Bada, Bada, Bada. Que le Seigneur règne ce soir. Comme il m'a dit, on nous tourne à l'île.
Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je crois que tu allais dire Amen. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Bien aimé, écoutez, il y a des choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous faire croire que Dieu n'est pas avec nous. Nous avons fini car je m'accroche. C'est chez toi qu'il y a les paroles de la vie éternelle. La Bible dit, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Où veux-tu aller, mon frère? Où veux-tu aller, ma soeur? Il n'y a que ce Jésus qui a les paroles, qui a les paroles de la vie éternelle. Ce problème, c'est la recueilli par la parole de Christ. Chaka baba baba baba. Chaka baba baba baba. Chaka ria baba baba baba. Chaka ria baba 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 baba. Et chaka ria baba baba baba. Et chaka ria baba baba baba. Et la baro chaka baba baba. C'est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il y a les paroles de la vie éternelle. Jésus. Et chaka ria baba baba. Alléluia. Il a les paroles. Il a les paroles de la vie éternelle. Jesus. Alléluia. Et Karia Baba. Elia Barosha Karia Baba. Shikaria Baba Baba. Elia Barosha Karia Baba Baba Baba. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus, Jésus. Et la malochité. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Écoutez, peuple de Dieu. La Bible dit, il est celui qui donne de la force à celui qui est fatigué. Il se peut que tu sois fatigué, mais celui qui va te donner la force, c'est notre Dieu. Amen. Donne-moi un amen fort. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est peut que tu es, n'est-ce pas, tu es tombé en défaillance. Et la Bible dit, bien que tu es tombé en défaillance, il va augmenter ta vigueur. Donc il va te relever en même temps. Amen. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et s'élassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ah, j'ai dit, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, ce soir, Dieu va renouveler en toi la force. Il va renouveler en ta vigueur. Tu es tombé. Tu as regardé à gauche et à droite. Mais c'est celui qui va te relever. Il va augmenter. Ce qu'il n'y avait pas dans ta vie va venir. Alléluia. Il sait comment il va le faire. Dieu sait que si il te donne quelque chose, ça peut changer les données dans ta vie. Amen. Il dit, mon fils, ma fille, si je lui donne ça, c'est ce qui peut-être lui a fatigué. Mais en lui donnant cela, il va posséder et il va augmenter la vigueur qui est en elle. Et je crois ce soir que le Dieu puissant va te donner quelque chose. Et ce qu'il va te donner, bien aimé, ça sera au-delà de ce que tu as demandé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous lui demandons. Parce que il sait qu'en te donnant cela, peut-être que tu auras encore besoin de quelque chose. Alors, il va cibler la chose qui va te faire taire. Amen. Et ce soir, je déclare que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que Dieu va déposer entre tes mains soit au-delà de ce que tu lui as demandé. Alors, bien-aimé, comme il te donne la force, il va dire, Seigneur, augmente, augmente en moi ta vigueur, augmente en moi ta force, que je sois encore fort. La Bible dit qu'elle est faible et dit, je suis fort. Seigneur, il se peut que cette circonstance m'a rendu faible, mais je vais être fort. Je vais être fort. Dis, Seigneur, que ta force soit mon partage. Demande la force de l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Demande sa force. Demande sa force. Demande sa force. Demande sa force. Par la force des hommes. La force va croire que tu vas demeurer là. Pourquoi? Parce qu'il est la solution à ton problème.
Commence à prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, tiens-moi à la main. Marche avec moi, t'as les bons bergers. Je suis peut-être fatigué, mais Seigneur, tiens-moi. Tiens-moi à la main. Ta main forte et puissante. Que ta main forte et puissante soit avec moi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Shakaya, baba. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Et baba. Oh Shakaya, baba. Seigneur, Seigneur, et ta force, sur notre partage, ta force, sur notre partage, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et la barre Shakaya, baba. Et la barre Shakaya, baba. Oh Shakaya, baba. Prie le Seigneur, ces problèmes bien-aimés, ces problèmes ne vont pas te faire reculer. Le passé, c'est un monument, il ne reviendra point. Ce qui est passé, c'est passé. Tu entres dans une nouvelle saison. Tu traverses. Tu traverses. Tu traverses. Et tout se crie. Dans la maison de Dieu, tout se crie. Dans la porte des cieux, tout se crie. Gloire, gloire. Acclame très fort Jésus. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la louange. Amen. Et ensuite, n'est-ce pas, nous allons passer au service des offrandes. Je prie bien qu'avant nous puissions offrir au Seigneur et puissions appeler lui. Amen. Omboyo, komboyo, Komboyo ya Yesu eh, Komboyo komboyo eh, Komboyo ya Yesu eh, Komboyo ya Yesu eh, Komboyo komboyo eh, Komboyo ya Yesu eh, Komboyo komboyo eh, Komboyo ya Yesu eh, Komboyo komboyo eh, Komboyo ya Yesu eh. Seigneur, on peut acclamer très fort pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça pour Jésus? Amen. Bonsoir tout le monde. Déplacez vos saluts aussi tous les voisins possibles autour de vous. Dites à votre voisin bonsoir, soit le bienvenu, la bienvenue dans la présence de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
Gloire au Seigneur. Amen. Je vous donne encore de saluer 5 personnes autour. Et 35. Mon fils, le prophète Jonathan, va lire pour nous. Matthieu 24, à partir du verset 35, je lis au nom du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Wait, tu peux reprendre le verset avant celui-ci? Ce qui arrivera... Celui-ci. Verset 36. Pour ce qui est du jour... Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Là, on parle de quoi? Il parle de quoi? Il s'agissait de quoi? De l'avènement du Fils de l'homme. Donc, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils. Il n'y a que le Père seul qui le sait. L'avènement du Fils de l'homme. Amen. Vas-y. Verset 37. 37. Ce qui arriva du temps de Noé. Ce qui arriva au temps de Noé. Est-ce qu'on peut dire ce qui arriva? Ce qui arriva au temps de Noé. Au temps de Noé. Répétez plus fort ce qui arriva. Ce qui arriva au temps de Noé. Au temps de Noé. Pour la dernière fois, ce qui arriva. Ce qui arriva au temps de Noé. Au temps de Noé. Oui. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vas-y. Ah. Les géants, dis avec moi les géants. Les géants. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux. Voilà, maintenant on explique que ces géants-là, ce sont les héros dont on parle dans l'Antiquité. Ok. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 6. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. Verset 8. Mais Noé trouva... Mais, dis avec moi, mais. Mais. C'est-à-dire exception. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Non, dans ces temps-là. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois. Amen. Mettez-vous à clamer très fort. Est-ce qu'on peut célébrer la parole en acclamant très fort? Est-ce qu'on peut dire Amen bien plus fort que ça? Amen. Donnez-moi un Amen pour que je commence. Amen. Alors ce soir, je commence une petite série que je vais clôturer dimanche. Je parle du thème d'où viennent les démons. Je répète, d'où viennent les démons. J'avoue que j'irai en profondeur, en long et en large dimanche. Mais aujourd'hui, je voulais enseigner et vous faire réfléchir sur les Écritures. Nous rendons grâce à Dieu pour les 40 jours de jeûne et prière. Vous devez savoir que dans Habakkuk, il est écrit et on prophétisait sur ces temps-ci que la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir toute la terre comme les eaux remplissent le fond des mers. C'est-à-dire autant qu'il n'y a aucun endroit sous la mer qui est exempté d'eau.
Autant sur la terre, aucun endroit ne sera privé de la connaissance de la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, ce n'est pas toujours ce qu'on pense à une nuée, à un nuage ou à quelque chose de comme ça qui arrive dans le culte. La gloire de Dieu dépend aussi des contextes. Des fois qu'on parle de la gloire, on parle de, du poids de la gloire surnaturelle. Des fois qu'on parle de la gloire, qu'on parle de la gloire, on parle de la réputation, on parle de la renommée, d'autres on parle de la richesse. Même si on dit l'or et l'argent, l'argent et l'or et l'argent sont à moi. Dieu dit la gloire de la seconde maison. Là, il ne parle pas de la gloire de la fumée, il parle de la gloire matérielle. Parce qu'il va secouer la terre, la mer, le sec. Il va ramener les richesses des nations dans le temple. C'est comme ça que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors gloire aussi, comme le docteur Maïs Mondro l'a si bien expliqué, des fleurs. Permettez-moi. Alors, dans le temps de la fin, Dieu va se révéler pleinement à son peuple. Et la connaissance de sa parole va grandir parmi ceux de l'église. Alors, il est très important de faire attention à des versets comme vous utilisez en général. Ne déplacez pas les bornes composées les pères. Vous allez voir des gens dire non, attention, nous allons rester dans le fondement composé les apôtres. Je veux vous expliquer ici que même les apôtres croyaient en certaines choses dans leur milieu juif. Même Jésus avait connaissance de certaines choses auxquelles les Juifs croyaient. Donc notre théologie évangélique ne nous a pas exposé. Alors Jésus a dit dans Luc chapitre, permettez-moi de lire cela pour vous. J'aime beaucoup les paroles du Seigneur. Le maître dit ceci. Le maître dit, dites avance prophète. Avance prophète. Est-ce que je peux enseigner ce soir? Non, oui, pour dire, dis avec moi, full manifestation. Full manifestation. Ah, mon fils, qu'est-ce que tu as dit là? Dis avec moi, full manifestation. Full manifestation. Luc chapitre 5, effectivement, merci Saint-Esprit. Luca mitano matono muli mosante. Dans Luc 5, il est écrit ceci. Luca mitano lo iboye. La Bible dit. Bien lobi. La Bible dit ceci. Bien lo iboye. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire. Aussi, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf. Et le morceau qu'il a, qu'il en a pris, n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin nouveau, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Le vieux est bon. C'est en général ce que nous disons aujourd'hui. Le vieux est bon. Il y a toujours eu un combat entre le nouveau et l'ancien. Ce qu'on a connu et ce qu'on connaît. Ou ce qu'on veut connaître. En général, l'homme n'aime pas l'inconnu. Parce que l'inconnu est insécurisant. Voilà pourquoi d'autres femmes ont difficile à quitter les hommes avec lesquels elles ont passé beaucoup d'années. Pourquoi? Parce que vaut mieux un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Parce que lui au moins tu le connais.
sais comment vivre avec lui. Tu sais comment dire avec lui. Mais quelqu'un de nouveau, malgré les belles dents à l'extérieur, malgré le bon parfum, malgré l'éloquence, malgré l'art oratoire, je n'ai pas de garantie. Qui dit qu'il est peut-être pire que celui avec qui je suis. Alors, dans la vie de tous les jours, les hommes n'aiment pas les nouvelles choses. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'aiment pas creuser dans la Bible. Ils n'aiment pas écouter d'autres révélations qui sont contraires à tout ce qu'ils ont toujours entendu. C'est le commun des mortels. Quand tu entends la musique culturellement parlant au Congo, les gens vont vous dire non. Les paroles d'aujourd'hui ne sont pas saines. Non, on écoutait Madilou. Il disait peut-être pire que ce que ces jeunes hommes disent aujourd'hui. Mais l'homme te dira que c'est la musique d'avant qui était bien. Même dans le monde du rap. On te dit non, c'est le rap ancien qui était bien. C'était brut, c'était le dur, le pur dur. Aujourd'hui, ils chantent avec les maîtres Gims et les autres. C'est... Là, je parle culturellement parlant. La politique. Non, la crème, c'était autrefois. Avec les hommes qui étaient autour de Mobutu. Aujourd'hui, ce sont des. Les lois aboyés. Mais si on ramène aussi ces hommes-là aujourd'hui, vous n'allez pas les supporter. Mais en fait, l'homme aime ce qui est ancien. Vous savez quoi, il a passé beaucoup de temps. Il se sent moins en sécurité avec lui. Sauter dans l'inconnu. On ne sait pas trop là où ces choses vont nous amener. Voilà pourquoi les gens ont beaucoup aimé les églises catholiques. Parce que ça donne l'image de la maturité, de la sécurité. Le bâtiment, on ne le vendra jamais. On n'aura jamais de problème pour payer le loyer. Mais notre pasteur là charismatique qui dit Jésus au nom de Jésus prophésie. On ne sait jamais, la BRS un jour va se réveiller. Elle va nous filer de là où nous sommes. Ouais, les hommes aiment là où c'est sécurisé. Et la plupart des églises stables sont des églises où ils ont acheté les parcelles. Il y a un effet psychologique. Parce que l'homme aime là où il est sécurisé. Même dans le monde de la connaissance. Il y a des choses, si on commence à vous enseigner aujourd'hui, ça va être compliqué pour vous de croire. Pourquoi? Vous allez dire, ça c'est l'hérésie. Ça c'est le cultisme. Mais pourtant, vous êtes-vous déjà posé les vraies questions sur ce que vous lisez? Beaucoup de choses vous n'aimez pas lire. Par exemple, quand on dit le fils de Dieu, quand on dit les filles des hommes, ils ont eu des enfants. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. Quand Caïn était parti, dans la ville où il était parti, il a pris une femme. Les choses cachées sont à l'éternel, et les révélées sont aux hommes. Les choses cachées sont à Dieu, mais les révélées sont à nous. Mais il y a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Comment? Je t'annoncerai les choses cachées. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des hommes, des saints, des justes, des fils d'Issacar, c'est de sonder les choses. C'est de révéler les choses. Les chrétiens, par exemple, confondent les démons et les anges. Tous les pasteurs parleront démonologie. Mais très peu auront le courage de vous dire que les anges ne possèdent pas les hommes, ce sont les démons qui possèdent. Bon, maintenant, les démons viennent d'où? Au fait, il y a des gens qui disent, bon, les démons servent Satan, mais est-ce qu'il est tombé avec Satan du ciel? Sur quelle catégorie? On met ça en bloc. On dit seulement, ce sont les démons. On parle de l'angéologie. Attends, on va battre là-bas manger. Dans la théologie évangélique. La théologie évangélique. Les séraphins, les chérubins. Les séraphins, les chérubins. Laissez-la. Mais il n'y a que quelques anges dont on parle en citant, en décrivant leurs ailes. Et les autres anges n'ont pas d'ailes. Bah moi j'ai mon sous basan en papouté. Hein, lisez la Bible. Dans la Bible. Qui sont les 24 vierges? Bah 24 vierges basan banani. Et tout le monde met seulement dans la catégorie des anges. Parce qu'ils ont peur de l'inconnu. T'amène bien. Amen. Les gens ont peur de l'inconnu. 24,
C'est 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, mais ensemble 24. Ah, ça c'est trop facile à faire. Oh, ils appellent pendant ça là. Qui sont les 24 vierges? Bah, 24 vierges, bah, ça, bah, nan. Comment les séraphins peuvent être au-dessus du trône? Le lingani ni ba qui nous babakoui ko zalikolo yang ben yang. Chapitre 6. Ils sont au-dessus du trône. Bazali kolo yang ben au-dessus de Dieu. Bazali kolo yang. Les seuls êtres qui sont au-dessus de Dieu. Lo le ebe te bazali kolo yang. Tu imagines un peu? Bon quand ça m'a moqué. Séraphin, c'est pas Fahim qui veut dire serpent brûlant. Nyoka oyo atumbaka. Pas le serpent. Ah, bazali bala nyoka. Mais séraphin veut dire serpent brûlant. Donc ces esprits là sont des serpents. Dans la présence du Dieu Saint, 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 il y a des serpents. Et ça, là-bas, nyoka. N'aie pas peur. Les gens maintenant peuvent. Non. Ah, Cherchez-nous la repentance, l'enlèvement. Et abyssé connaître la mort. Jésus dit ça à ses apôtres. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les porter. Pourquoi comme un si côté. Mais quand le consolateur viendra, mais le Saint, écoutez-moi, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en l'homme, qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu, mais nous avons l'esprit de Dieu qui sont tout, même les profondeurs de Dieu. Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour demeurer dans l'ignorance. Parce que l'esprit de ce monde nous garde ignorants de beaucoup de choses. Mais l'esprit de Dieu, si l'esprit de Dieu sont de Dieu, connaît Dieu, et si Dieu est plus grand que l'univers, alors le Saint-Esprit qui connaît plus grand que l'univers peut connaître la géométrie, peut connaître la mathématique, peut connaître la physique quantique, peut connaître les mathématiques, peut connaître l'univers au-delà de la NASA. Le Saint-Esprit connaît l'astronomie, connaît le zodiac, la grande ours. Arrêtez de limiter mon Saint-Esprit. Le temps est arrivé où quand on parle de la génération de Daniel, qui ont l'esprit de Dieu, ils doivent être supérieurs en intelligence que tous les physiciens, que tous ceux qui sont dans le génie civil au campus de Kinshasa, qui sont capables de faire asseoir des professeurs d'université et de les enseigner ceux qui ne connaissent pas les autres. Dites amen bien. Amen. N'aie pas peur de l'inconnu. L'homme te dira, le vieux, il est bon. Ah, oh, ya kalaneza malam. Il est sécurisant. Lui, au moins, on est habitué avec lui. Mais Dieu m'a envoyé à Kinshasa pour révéler les mystères. Je dis pour révéler les mystères. Je disais pour révéler les mystères. Je disais encore pour révéler les mystères. Je disais encore pour révéler les mystères. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ça? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ça? Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais entendu quelque chose que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu une chose qu'elle n'existe pas. Tu as un cerveau de moins de 2 kilos, je pense. Il y a 2 kilos quand moi moqué. Mais tu n'as jamais vu. Mais tu crois qu'il existe. Tu as des intestins que tu n'as jamais vu. Oh non, mais tu crois qu'il existe. Aux zones limites et Zali. Tout ce que la planète Mars existe. Nous sommes dans les limites et planète Mars déjà vu. Non, c'est mon appel. C'est que c'était une conspiration des scientifiques pour nous embrouiller la tête. Non, non, évitez la conspiration. L'ikindo ba yaba ba tormaille les pauvres. Ce n'est pas parce que quelque chose est nouveau que c'est faux. Et ça peut être le comment ils aient sicandé ça. Ce n'est pas parce que quelque chose est nouveau que c'est hérétique. Et ça peut être le comment ils aient sicandé ça. Par exemple, autrefois. Quand on était encore en primaire, on disait aux gens, c'est Dieu qui doit parler avant que les prophètes ne parlent. Mais aujourd'hui, on a avancé. On est arrivé à une certaine classe où on n'a pas besoin que Dieu parle. On peut aller chercher la parole de Dieu.
Il ne vient pas à nous. Asuya te parle. Mais c'est nous qui allons en lui. Biso to ke ne kati na ye. Par l'esprit qui est en lui. Na moli mo za kati na ye. Qui est en nous. Pour sa kati na biso. En allant en nous. Na ke ne kati na biso. Par nos esprits. Na ba mili mo biso. Sous la lampe de l'Éternel. Et qui font jusqu'à la profondeur de l'Éternel. Na bozindo ya. Dans ce rakamaso prakata. Na lo baraka. Je peux recevoir la parole de Dieu. Na ko ya mailo bana sa. La pensée de Dieu sur quelqu'un sans que Dieu ne me l'ait dit. Li banzo na tamba likola moto mo nzamba ibisinga yango te. Ça s'embrouille la théologie. Wane sa iki ki na kati na mailo ya bato. Celui qui a écrit l'hébreu a dit. Ouais, comment est-ce qu'il est béni à l'obibo? Il dit vous qui devriez déjà être des maîtres. Nous avons encore besoin qu'on vous rappelle des choses. Abondance, œuvre morte. Baptême. Le baptême. Faut avancer. Pour que les liboso. Tiens ton voisin, il faut avancer. Il faut avancer. Tiens ton voisin, il faut avancer. Il faut avancer. Voilà pourquoi beaucoup d'occultistes prennent l'église comme un centre psychiatrique et psychologique. Talatina ebele abokultiste baozwa etando eklezo ngola esika moko ataka matel maile aba quand il vient dans l'église tamba ina kata eklezo ils sont politiciens bakuna politiciens ils sont militaires bakuna basoda ils sont professeurs bakuna basakoli ils sont même chrétiens bata kota bakristo ba lufi ils viennent là tous ils entendent nyo soazo ça va marcher tu es avec toi zamba selo ngola ton mariage ibana nayo et les chrétiens sont dopés pendant 24 heures bakristo ba kotwa ilogo. Ou pendant 48 heures en attendant le prochain culte où ils vont encore venir prendre l'opium. Pourquoi? Pour fuir les réalités de la vie. Les problèmes du pays. Les réalités du loyer. Les problèmes des frais académiques. Non, les pasteurs sont là pour nous donner toujours de la remontada. Pour nous donner de la Kisi moko boza makasi. Motada est un produit pharmaceutique chrétien. Le motada ezali kisi ya pharmaceutique ya ba Christo. Qui permet à ceux qui ont été battus par la vie. Ozo pesa batoni kisa ba beta mana bomoi. De remonter un peu. Et matsa bango moke. Ti amène bien. Lo ba mène malam. Et vous quel li boso. Et go makamba chao. Amen. Jésus. Yesu. Quand tu rentres à la maison, tu vois la porte. Aux gens en dans mon écouqué. Oh Jésus. Oh Yesu. Tu t'es dégonflé. Au commissou mon cœur. Tu étais un tigre, tu deviens une souris. Ozaki mon nene, comme mon cœur. Tu vas dans la chambre. Au côté de la soupe. Et ça recommence. Et ben voilà. Tu viens d'où? Hey, aidez. Et voilà. Tu as encore. Et tu dois revenir encore. Et c'est aux gens Jésus. Pour qu'on te donne un peu de remontada. Pour appeler sur remontada dans mon cœur. Au matin. L'église doit être le lieu de la science de Dieu. Et clé de Seigneur Zaletano, il y a Maïe. Les chrétiens doivent avoir des lumières. Bah, clé de Seigneur, pas Jean-Paulé. Doivent avoir les explications sur toutes choses. Bah, joie, bah. Pourquoi la porte des cieux vient? Dieu ne nous a pas envoyé pour paître des brebis. Dieu nous a envoyé pour changer les brebis en soldats. Dieu nous a appelé pour métamorphoser les brebis en des hommes et des femmes spirituelles capables de discerner les choses de la vie. Bien maître fort. Amen. Capable de changer l'économie du pays. Capable d'écrire des thèses. Des travaux de fin d'études qui sont des réponses à des entreprises qui voudront tomber en faillite dans les 10 prochaines années. Amen. Viens maître fort. Amen. À partir de ce soir, reçois l'esprit de sagesse et d'intelligence. Reçois l'esprit de sagesse et d'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux maintenant aller dans les nouvelles choses? Nazaki mia na katana mbambasika. En général, na mobimba. J'aime bien dire en général. Nalinga mikoloba na mobimba. Parce que je mets toujours les choses dans un cadre global. Natia kama kamonyo sona lolinga makambo. Bokoso sola que les nouvelles choses ne sont pas nouvelles. Makambo yasigeza yasikate. Elles sont simplement ezali kaka une nouvelle lumière. Pour les kaka yasika. On a des choses qui étaient déjà là. Nakopesa kama makambo ezali wana. Des fois soit qu'on n'arrivait pas à voir à cause de l'âge qu'on avait. Mingi tolinga komo na tina tina mbulo to sana yango. Soit qu'on n'arrivait pas à voir à cause du milieu dans lequel on était. Mingi toko komo na tina tina etando e pepe zoko bikela. Parce qu'il y a des milieux qui ne te prêcheront que les mêmes choses. Pwete etando zote aka biloko moko. Deko. Matali kola sikamor na yo. Ton sikamor. Sikamor na yo. Non, c'était fort aujourd'hui. Ezaki makasi lelo. Qu'est-ce qu'on a prêché? Bateini. Sikamor c'est la prière. Sikamor ezali bondeli. C'est cette chose. Ezeloko yo. C'est
plateforme. Et c'est une qui te permet d'être dans une position. Jésus peut te voir. Oui, c'est comme on a eu. Yo. Est-ce qu'on peut aller dans les choses plus profondes? Tu veux que nous n'agatons pas comme vous indo? Ce que je te prêche. N'importe quoi. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça. Tant que tu es encore dans le côté. Par exemple, quelqu'un se pose la question. Ah, comment les anges vont coucher avec les femmes? Le lendemain, il va manger. Jésus avait dit. Il sera pas qui? En répondant à cette histoire de mariage. La couille mon amour va se rappeler. Il a dit, ils vont être comme les anges dans les cieux. Parce que le gars mange à l'eau là. Parce que les anges sont asexués. Pour te manger, bah il y a ta macambo mon côté. Asexués, donc ils n'ont pas de sexe. Et nous basan à basan à tété dans notre tête. Ça encore, il faut expliquer. Où en est ce singolim bolango? Philippe a posé la question à l'eunuque. Philippe a tout n'a qu'écrit. Il m'a regardé sur lui, je lis Esaïe. Est-ce que tu comprends? Comment vais-je comprendre? Parce que je n'ai personne pour m'expliquer. Il faut des gens qui ont la bonne volonté. Mais ils n'ont pas des hommes moins. Ne peut illuminer que quelqu'un qui est dans la lumière. Oh mon Dieu. Ne peut emmener quelque part que celui qui y a été déjà. Que Dieu nous donne dans cette église du Congo. Des hommes qui ont la capacité de sortir le rhéma dans le logos. Et d'interpréter les écrits qui sont sur le mur. Que le droit de Dieu a eu à écrire. Voilà pourquoi, si tu veux grandir, la porte des yeux est ton église. Tu as raté une bonne occasion d'acclamer. Yo, oh Zangi, liba comment la magobeta maboko. Tu peux faire mieux que ça. Salam makasi koleko wana, beta makasi koleko wana. On n'est pas la meilleure. Et ça mala mouté. Mais on est la meilleure. Kasi toza pena mala. Dans notre couloir. Toza na gata etando na biso. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Togo kende sa saipi. Tu ne peux pas comprendre. Ogoyi kozo sola te. Avec une vue globale. Na bomo ya batunyo. Les temps de la fin. Si tu ne comprends pas ce que Jésus voulait dire, en précisant que cela va être comme au temps de Noé, il y a beaucoup plus. Parce que la liste n'est pas exhaustive, c'est ça? Manger, boire, marier les enfants. C'était pas une liste limitée. Il y avait encore beaucoup de choses mais que Jésus ne pouvait pas dire en ce moment-là. Mais que le Saint-Esprit est en train d'expliquer à l'église aujourd'hui. Vous devez comprendre les temps de la fin en faisant un parallèle avec le temps de Noé. Si vous comprenez ça, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe dans le monde ne sont pas que les élections du Congo. Il y a la solidarité d'un politicien qui est quelque part là-bas à l'extérieur du pays. Non. Il y a beaucoup plus que ça. Ou bien la conférence que l'église va faire la semaine prochaine. Il y a beaucoup plus. Pour comprendre la Bible. Il faut comprendre Genèse. Pour comprendre les temps de la fin. Il faut comprendre Genèse. Genèse veut dire commencement. Mais veut dire aussi génération. Genèse est le livre des origines. Ezali beaucoup de la terre. L'origine de la création. L'origine de l'homme. L'origine du mariage. L'origine de la procréation. Et bandelia ko kela ya sika. L'origine de la haine. Et bandelia ko ina. Du péché. Ya kufa ya. De la famille. Ya linzala. De la civilisation. Ya cités. L'origine de la nation d'Israël. Et bandelia ekolo Israël. Un homme. Il s'appelait Abraham. Alors, pour comprendre les temps de Noé, il faut lire Genèse chapitre 6. Aujourd'hui, d'abord, je vais enseigner. Je n'irai pas en profondeur. Dimanche, je vais aller vraiment en profondeur. Parce que je vais le mettre sur un format plus ou moins évangélique. Mais néanmoins, on précise que dans cette époque-là, la terre était corrompue. Ma belle sous la maqui. Toute la terre. Ma belle nyonso. Était corrompue. Et sous la maqui. Et on précise. Bah, on dit.
que les fils de Dieu étaient en hébreu, ce sont les Bene Elohim. Bene Elohim. On dit Balobi qu'ils sont descendus. Ah, ok. Qui d'autre encore? Hein? Ok. Achille, voilà. L'un des plus connus d'ailleurs. Achille. Le talon d'Achille. On dit qu'ils avaient des forces, c'est demi-dieux grecs ou romains. Même égyptiens d'ailleurs. On voit, ce sont des hommes. Même Alexandre le Grand, il paraît qu'il en était un aussi. Alexandre le Grand, il est plus babi que il est pas dans la quinacat. La mère d'Alexandre le Grand dit Alexandre. Maman Alexandre le Grand le dit Alexandre. Tu as un problème. Osan ali kambomogo. On te jalouse par tes frères ici. Bazo ino na bande konayo. Personne veut de toi. Motomota lingio. Parce qu'ils savent. Pour te bayebi. Que tu es un enfant extraordinaire. Et tous animaux na moi ali kolo. Ton père est jaloux de toi. Tata na zo inayo. Parce qu'il sait. Pour te bayebi. Que j'étais enceinte de toi. Et t'as rien à mokumba na yo. Sans l'avoir connu. Parce que c'est Zeus, le dieu des dieux, qui était descendu et qui m'avait connu. Je ne crois pas à la mythologie grecque. Je crois en la Bible. Je crois en la parole de Dieu. Mais l'histoire des civilisations nous révèle des histoires très intéressantes qui ont un grand lien avec ce que la Bible dit. Il y a Achille, qui est un demi-dieu. Il y a percé, si vous suivez le fil. Quand tu regardes nos signes zodiac, tant au talier les zodiac, tu vois vraiment c'est exactement toi. Aux hommes les appels d'ailleurs. Quand tu consultes le quoi, comment ça s'appelle, l'horoscope, même le ton jour. Attends, tu te rends compte ce qu'ils ont dit est vrai. Au sol t'es solo. Quand tu regardes, oh non, elle est telle, elle est vierge. Moi je suis Capricorne. On va faire un bon couple. C'est les choses vraies. Et ça m'a solo. Mais interdit par Dieu. Oui, parce que ça m'est ensemble. Interdit. Ma question. Je ne voulais pas de ça. Parce que dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont vraies, qui sont faisables. Mais nous, nous ne sommes pas permis de faire ça. Il ne faut pas être borné au point de pouvoir dire non, 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 je crois en la parole de Dieu. Je sais faire la part des choses. Ces choses-là, Dieu les interdit. Ceux qui le font vont aller en enfer. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Pour être ensemble, on va dire que c'est vrai. Pour le battre, le côté ça solo. Allô, Bakongo ici. Allô, Bandundu. Qui n'a pas qu'on a Bandundu. Vous allez voir des choses. Tu vas la chair de poule. Au comment on a Kambo là-bas, tu vas faire ton chic. Tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Au comment on a Kambo. Lors de l'entrée de l'Afdel ici. Na okota Afdel aho. Ils sont allés, je crois, dans une province. Bah, qui est la province, mon coup. C'est allé au Kasai. Na Kasai. Ils arrivent. Bah, comme à l'entrée d'une, je crois, d'un village. Nasuka, ils n'ont pas vu le village. Bah, mon imboka, le village était invisible. Pourquoi? Pour nani? Parce que le chef coutumier, le sorcier, il avait rendu invisible tout un village. Il y a des endroits où l'Afdel n'était pas passé. Et là, si on l'a fait, ou d'autres, ils ont dû faire des contrats, donner de l'argent, bah, de l'huile de palme, bah, du vin, bah, masanga, pour qu'on laisse de la place. Pour être bâti, la bonne bonga. Des choses bizarres. Makamo ikiki. Mon fils aimait me raconter les choses qui ont pas comme moi. Mais tu vas pas. Là-bas, tu dis, je vais aller prêcher l'évangile. Pour noter à son malam. Elle t'a blindé. Hein? Force à la peine à Golenda. Bah, au bois, quand on il faut qu'il y ait un prédicateur qui dise ces choses. Et c'est reste dans la montée. Allez évangéliser mes frères. Que notre Dieu soit là. Tu vas là-bas dans un village. Ok, dans la boca. Tu vois une petite fille. Mais c'est l'esprit de Jeanne d'Arc qui est en elle. Jeanne elle te raconte l'histoire. Elle te raconte l'histoire du Moyen-Âge. De la Révolution française. Elle te parle français, mais elle ne connaît pas le français. Elle te parle français. Tu ça comment? On a chassé un esprit ici à Déborah. Tu es qui? Je suis Jeanne d'Arc. Dans les Lévitique, tu avais dit. Dans les Lévitique, il parlait des hommes qui ont en eux l'esprit des morts. Il n'a pas dit l'esprit des morts. L'esprit des morts. L'esprit des morts. Mais Dieu avait interdit. Il voulait que les yeux restent sur lui. Et je ne vous prêche pas ces choses pour que vous puissiez le faire. Non. Pour que vous puissiez savoir que c'est des choses qui existent. Alors, on parle de Bene Elohim. Qui connurent
les filles des hommes. Oh, bah, yeba ki bana basi ya bato. Semble, elles ont eu ce qu'on appelle les Nephilim. Bazwa ki na kotalo ba bengi Nephilim. Ils sont des géants. Baza bato molayi. Et tu ne peux pas connaître ça. Si tu ne connais pas Genèse 3, verset 15, c'est la plus ancienne prophétie et du reste la première qui existe. Que Dieu a donné. Alors, c'est les mains si c'est... vous êtes là. Vous êtes là. Vous aimez la parole. Ok. Tant que tu ne connais pas ça, tu ne connaîtras pas Jean 3, 16. Genèse 3, le verset 15, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ah, là c'est Dieu qui prophétise. Il dit, je mettrai inimitié. Inimitié. Kozanga boyokani. La lingala. Kozanga boyokani. Kozanga boyokani. Tokoyoka nakate. Avance mon fils. Et nous sous. Toko sangana kate. Et nous sous asuka. Okolonga kangaite. Voilà yomo. Oui. Entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Voilà, voilà, voilà. Je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre la postérité, ta postérité, sa postérité. Notre version dit sa sémence et ta sémence. Et pourtant la femme ne porte pas de sémence. La femme ne porte pas de sémence. Sperme. Le sperme. C'est pas la femme. C'est l'homme qui porte. Et la femme qui a porté la sémence. Moi, je suis Kona, sans un homme. Azangi moi, elle était l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe. La vierge sera enceinte. Moi, si mon la sainte sémence. Kona est sans toi. Qui va être en toi. Et va s'appeler fils de Dieu. Et ben à moi, ben à moi ensemble. Le sperme de Dieu. Sperme ensemble. Hein? Mm. Le sperme. La sémence. Nkona. C'est ça, non? Il y a un homme qui a. N'aie pas peur des mots. Il y a ton voisin grandissant. Grandissant. Les gens qui ont peur de la Bible. Bah, tu as Bible. Tu as peur de dire ce que la Bible. Tu as peur de dire. C'est la Bible déjà dit. Bible, c'est le bien. Continue. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Elle va t'écraser la tête et tu vas la blesser le talon. Merci. Alors Dieu avait dit donc, ici awa, il y avait la promesse de la rédemption et la promesse messianique. Et c'est la première promesse messianique, la plus ancienne et la toute première. Et ça, la Dieu montre ici qu'il y a une postérité qui sortira de la femme qui va écraser la postérité du serpent. Donc le serpent Nyoka a une sémence et la femme Azana a une sémence pas en Kona. Et la femme du, la sémence de la femme Nkona va finir par écraser et la sémence du serpent. Regardez déjà quelques termes. Quand on parle de Bene Elohim. Certains théologiens disent que non, c'est la descendance de Seth. Comme Seth était pur, le remplaçant, tous ceux qui sont descendus de lui sont les fils de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ils refusent de croire en cette hypothèse que c'est effectivement des anges. Mais quand vous lisez Bene Elohim, non pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, vous allez voir dans Job 1-6, Job 2-8, Job 3-8, Job 38-7, Job 3-8-7. Vous allez voir, comment on parle des fils de Dieu. On parle des fils de Dieu, c'était rassemblé devant Dieu. Le diable aussi était venu. Diable, père, y a qui? Chaque fois qu'on parle, même tous les biblistes sont d'accord. Fils de Dieu dans l'Ancien Testament a toujours un lien avec des êtres angéliques. Alors, on se pose la question. Quels sont ces anges qui sont encore descendus? Et pourtant, nous croyons que dans Genèse 1,
entre 1 et 2, quelque chose s'était passé. Et l'eau comment elle est cachée. C'était Apocalypse 12. Exactement. On dit, Balobi. Satan et ses anges. Satan n'a pas mangé naïe. Retenez bien ça. Simba le diable et ses anges. Diable peine à manger naïe. Lucifer et ses anges. Lucifer n'a pas mangé naïe. Dragon et ses anges. Dalagon n'a pas mangé naïe. Battu. Babunaki. Michael et ses anges. Je déclare dans Jude. Jude était juif. Jude était frère de Jésus. Jude était prophète. Jude dans les actes, vous allez voir, on dit Jude et Silas qui étaient tous les deux prophètes. Dans sa famille biologique. Dans Marc chapitre 6. Quand on dit, mais les frères de Jésus et ses sœurs sont ici. L'un des frères de Jésus était Jude. Et il était apôtre et prophète. Et il a écrit le dernier livre avant Apocalypse. Et Jude qui était juif. Connaissez le judaïsme. Connaissez le livre d'Enoch. Parce que même les apôtres connaissaient ce livre là. Même les juifs connaissaient ce livre là. Et Jude cite. Jude Tangi. Il dit. Jude dit ceci. Jude dit, Enoch. Septième, on peut lire. Jude. Parce que si on ne lit pas, les gens risquent de croire ici qu'on raconte. Jude n'a pas de chapitre. Jude est dans ma chapitre. Verset 14. Jude, le verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. On n'a jamais vu Enoch prophétiser dans Genèse. Le seul verset qui nous marque, on dit Enoch a marché avec Dieu pendant 400 ans. Attends, et il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. On ne dit pas que on n'a jamais vu Enoch prophétiser. Ici, Jude a cité le livre d'Enoch. Jude a tenu beaucoup Enoch. Parce qu'en tant que prophète. Il faisait des recherches. Lis mon fils. On dit, il a prophétisé quoi? Il prophétisa en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ah, merci. Matoni. Il y a beaucoup de mystères dont Jude parle. Mais on a canonisé le livre de Jude. Jude a cité le livre d'Enoch. Jude a tant qu'il boucle Enoch. Quand Pierre en parle, dans 2 Pierre, chapitre 2, l'apôtre Pierre parle de ses anges qui ont perdu leur forme initiale. Dans les abîmes, c'est le mot tartare en grec. Dans les chambres les plus profondes qu'il y a en enfer. Pourquoi je le dis? Pour dire que même Pierre a expliqué ce que dans le livre de Jude. Mais on ne voit pas dans la Bible. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc qu'est-ce que je dis ici? Ni na lobiawa. Que même ceux qui ont écrit la Bible, lisez les autres livres. Ils ne sont pas inspirés. Vous voyez la nuance? Nous croyons que ça c'est la parole de Dieu. Dieu nous a permis de connaître uniquement ceci. Mais les livres d'histoire, les écrits des pères de l'Église, Tertullien, les Origènes et tout ça, nous permet de voir parce que nous on est des Congolais. Écoute-moi, Dieu Moulouba. Je ne pense pas que la Bible a été écrite dans votre village. La Bible a été écrite dans un contexte où des gens croyaient en des choses. Par exemple, Jésus dit, Yesolobi, parce qu'on accusait Jésus de chasser les démons au nom de Belzébul, parce qu'on croyait que Belzébul était le prince des démons. Maintenant Jésus dit, vos fils chassent les démons au nom de Belzébul. Chasser les démons existait déjà. L'exorcisme existait déjà. Jésus n'a pas fait quelque chose de nouveau. Mais il a fait quelque chose de plus puissant. Et de plus efficace. Qu'est-ce qui se fait? Les fils de Tseva ne voulaient pas forcément suivre Jésus. Ils voulaient faire ce que les autres juifs faisaient. Mais en utilisant une formule plus puissante. Est-ce que les aigles sont là? Ma pongo basaliwana.
est-ce que les aigles sont là? J'espère que j'ai l'heure avec moi ici. Ok. Yo. Ponctuel. Il t'amène bien. Amen. Voilà pourquoi on va lancer l'école biblique. Amen. La deuxième moitié de l'année. Nakaskatiam. Balance les mains, dis amène bien. Amen. Alors, quand je le dis, dans le livre d'Enoch, on explique beaucoup de choses. Parce que dans la destruction de Sodome, dans le livre de Jubilé, on explique trop de choses. Parce que dans le livre de Jubilé, qui ont même fait que Dieu finalement décide de tuer son homme et toi. On n'explique pas trop de choses qu'il fait. Mais dans ce livre-là, on va beaucoup plus en profondeur. Ce sont des livres d'histoire, dans les choses. Mais je ne prêche pas les livres d'Enoch. N'adopte à bouger Enoch. Je le dis parce que je me cache derrière Pierre. N'azolo bango poete na batem na sima Peter. Derrière Jude. Na sima Jude. Vous voulez m'attaquer, attaquez-les avant. Eux sont dans la Bible. Alors, dans le livre d'Enoch, on explique que à part Satan et ses anges, il y a eu une deuxième chute qui a eu lieu. Cette chute n'était pas une chute. Les livres d'histoire disent que Dieu avait... Pourquoi les fils de Dieu étaient venus sur la terre? Les livres d'histoire disent, même dans Enoch, on dit que Dieu les avait envoyés pour enseigner la justice aux hommes. Pour enseigner la justice aux hommes. Maintenant, eux, ils sont venus. Quand ils ont vu les femmes, les fils des hommes, ils ont dit, oh mon ibou, chouchou merin, petit à Père Noël, bon mon fifi. Ils ont fui. Au ciel, il n'y a pas ça. Alors, ils ont connu les filles des hommes. Question. Comment un ange peut connaître une femme pour avoir un sexe? Déjà, j'aimerais vous répondre. Jésus a dit qu'au ciel, ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. Il a précisé dans le ciel. Il a dit les anges qui sont au ciel. Il a dit les anges qui sont au ciel. Il n'a pas dit les anges qui sont sur la terre. Parce que Hébreu explique. Il dit exercer l'hospitalité. Préparer le lit. Préparer la nourriture. Préparez les toilettes. Bongis à la toilette. Nettoyez la cuve. Ayabacha. Soko la cuve. Préparez des vêtements de rechange. Somo. Mettez la moustiquaire. Tiens moustiquaire. Exercez l'hospitalité. Salez la peine d'hospitalité. Recevez les gens qui viennent. Yamba bato azoya. Parce que plusieurs Potemingi ne savent pas. Bayebite. Ils ont reçu des anges dans leur maison. Moi je n'en ai qu'on bango. C'est-à-dire les anges sous la terre. Bah moi j'ai appelé. Ils sont esprits. Ne sont-ils pas tous des esprits? Mais ils ont la capacité de prendre la forme. Jésus était le verbe créateur. Il est esprit. Il a pris la chair. Dans Genèse 18, Abraham a vu trois hommes. Qui était-il? Ce n'était pas la théophanie. Théophanie. C'était la Trinité. C'était Dieu avec deux anges. Ils sont venus. Ils n'étaient pas esprits. Ils avaient des corps. Dieu a porté un corps dans l'Ancien Testament. Dieu a mangé. Il a bu le lait caillé. Il a mangé le poulet mayo. Ça s'est un peu coincé au niveau de. Et quand que Dieu utilisait le. Le cure-dent. Ta femme là, ta femme. Moi sinon. Tu as mangé. Zambalia qui. Ils ont mangé. Balier. Tu as mangé. Zambalia. Avec les anges. Et là on a. Après les deux anges se sont levés, ils ont dit nous on va à Sodome. Genèse chapitre 19. Mais Dieu est resté parler avec Abraham. Genèse chapitre 18. Donc Dieu est resté dans 18. Les deux sont allés dans 19. Quand ils sont allés, c'était des hommes. On les a reçus et les habitants de Sodome ont voulu coucher avec eux. Parce qu'un ange dans la forme humaine peut avoir un sexe. Yo. Et
Le jour de la résurrection, on a vu deux hommes qui étaient au tombeau. Le jour de l'ascension, on a vu deux hommes. On n'a pas dit des anges. C'était deux hommes qui ont parlé aux apôtres. Oh, est-ce que je peux aller en profondeur? Ça m'a pris deux ans. Je vais faire une conférence de trois semaines sur ce sujet. J'ai besoin de médecins et scientifiques pour être là. Les choses que j'ai découvertes sont terribles. Jésus revient bientôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de Dieu ont connu les filles des hommes. Et dans le livre des Noms, on dit qu'ils étaient à 200. Et leur leader s'appelait Azazel. L'idée Azazel était le nom de ce bélier qu'on utilisait pour le jour d'expiation. Ils étaient à 200. Ils se sont rébellés. Ils ont connu les filles des hommes. Et c'est eux qui ont commencé à enseigner aux humains les make-up, l'art magique, l'art de guérir, les vertus des plantes. Beaucoup de choses. Dans les livres de Noc. Et c'est certainement vrai. Et ça solo. En Arizona. En Arizona. Auprès d'une montagne qui est une montagne très sainte. Je crois à la frontière du Mexique et des États-Unis. Na zone de la frontière Mexique et États-Unis. Il y a des Amérindiens qui sont là-bas. Et ça, les Amérindiens au Bassaoua. Il y a une montagne sur laquelle il y a un projet de l'Église catholique qui s'appelle projet Lucifer. Projet Lucifer. Tapez sur Google. Après. Bobeta na Google. Je n'insulte personne ici. C'est des faits. Fact. Et au bas de la montagne, les habitants expliquent à des pasteurs. Nos arrière-parents expliquent qu'un jour, ils ont vu une porte s'ouvrir et des êtres entrés comme des reptiles. Et ils sont venus mi-hommes, mi-animaux. Et ils ont enseigné aux hommes, ils ont enseigné à nos parents. La sorcellerie, la voyance, et comment ouvrir des portes avec une autre dimension. Vous allez voir, les Mexicains sont très forts de l'astrologie, de la voyance, très forts. Ils vont utiliser des herbes, brûlant les herbes, sous couvert, et ils sont en extase, en parlant des langues inconnues. Ce sont les mêmes choses qui se passaient dans le temps de Noé. Et toute la terre a été corrompue. Et les géants ont commencé à se multiplier. Les béné Elohim et les filles des hommes ont des Nephilim. Ils ont un changement de DNA. Une corruption génétique. Les histoires même disent. Ils avaient corrompu. Non seulement ils couchaient avec des femmes, ils ont commencé à coucher avec des animaux. Des capricornes et ainsi de suite. D'autres disent ils ont commencé à tout changer de la création. Même la nourriture, ils ont commencé à changer la nourriture. Ce n'était plus bio. Tout a commencé à être changé. La création était corrompue. C'est pas possible. Il faut que j'élimine ça. Et le but du diable, c'était qui est en majorité et qui est totalement une nouvelle espèce des humains. Pourquoi? Parce que cette espèce là, c'est ce qu'on appelle la sémence du serpent. Le diable ne voulait pas que la sémence de la femme puisse venir par une voie naturelle. Alors il voulait que toutes les femmes soient perverties. Et les géants couchaient avec les autres. C'était des êtres humains qui n'étaient pas la vraie espèce pure. Et Jésus a dit, ce sera comme dans les temps de Noé. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des êtres humains qui ne sont pas les humains? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans le domaine de la science, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, on crée les êtres humains? On est en train de le clonage et toutes ces choses.
Nous revenons au temps de Noé. Parce que les vrais êtres humains disparaissent. Et j'ai vu une vidéo sur YouTube. Où pas des démons nés. Ils sont parmi les journalistes, les politiciens, les musiciens. Ce ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont pas normaux. Ils ont des gènes différents des nôtres. Ils ont des capacités différentes. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Quand tu regardes les films pornographiques, tous ceux qui font là, ils sont pas des êtres humains normaux. Tu veux que ton mari fasse des choses que tu parles. Je dis la vérité. Les catch. Les films. Tous ces hommes que vous voyez. Même dans ce pays. Il y a plusieurs secteurs. Qui ne sont pas d'espèces pures. Revenons au temps de Noé. Voilà pourquoi tu vas détruire la terre. Par les jugements. Même quand on dit un tiers de la population mondiale sera détruit. Je suis sûr qu'il y aura surtout ceux qui ne sont pas créés à l'image de Dieu. Je le crois. Je parle des choses que j'ai étudiées ça fait 2 ans. Quand dit Jésus revient bientôt, c'est pas seulement il revient bientôt, abandonner les il y a des choses dans notre monde. Dans notre monde contemporain qui se passe. Nous sommes au temps de Noé. Voilà pourquoi on dit mais Noé était intègre. En hébreu, ça ne veut pas dire Azaek Mtabosembo. Ça veut dire il était physiquement, biologiquement pur. Donc il se peut que Noé soit parmi si pas sa famille était la seule. Voilà pourquoi Dieu a décidé de tout éliminer. Parce que les spermes de ceux-là étaient entrés là-bas. Des métamorphoses biologiques. Mais lui, sa famille était pure. 8. Ils ont été préservés. Pour repeupler la terre. Pour battre sa mobile mobimba. Et toute cette race-là était morte. Batonius sont là-bas Kufaki. Les Néphilim. Ils étaient tous morts. Bangos sont Kufaki. Et bizarrement, Nakuta là. Même après le déluge. Attends, si ma gombo là. Encore des géants. Bah, y a pas ça là qui. Explique-nous, papa. Je pense que ça demande de plusieurs jours. On a essayé un micro-lebelé. Est-ce que je pourrais faire un séminaire sur ça? Naiko ça un séminaire pour Nango. On parlera de l'eschatologie, mais on doit situer. Est-ce que je peux faire un séminaire sur ça? Naiko ça la li kindo pour Nango. Bizarrement. On voit qu'il y a d'autres géants. On était pas géants, mon soussou. Cana. Goliath. D'où venait-il alors? Bahouta qui wapi. Voilà l'histoire. On dit il semble que quand Dieu voulait détruire par le déluge. Il y a une descendance de ceux de la terre. L'un d'entre eux avait écrit sur des rochers. Formule magique. Et l'un des fils, je pense, c'était Cham. Qui allait lire ça et faire des incantations. Il a ouvert d'autres portes spirituelles. Les êtres sont encore venus. Et même les Juifs. Dans le temps de la Bible. Croient que les démons. Ne sont pas ceux qui étaient descendus d'Apocalypse 12. Les démons. Quand les géants sont morts. Quand la race corrompue est morte. Les Juifs croient. Et belle bayuda bazon dimela. Que quand leurs corps sont morts. Quand nous autres allons les esprits étaient où? Ce sont les esprits là qu'on appelle les démons. Et ça mili moande benga ka démons. Voilà pourquoi ils ne supportent pas de vivre sans corps. Ceux qui sont descendus avec Lucifer sont ceux que Paul appelle les principautés, les principautés, les esprits méchants de l'air céleste, toute cette hiérarchie là. Ils sont descendus avec Lucifer. Mais les démons ne sont pas parmi eux.
On ne voit pas les démons au ciel. Tout le monde a le deuxième ciel dans les Écritures. Les démons sont sur la terre. Quand on les chasse dans un corps, ils vont errer. Ils vont errer. Ils vont pas aller dans les astres. Ils vont pas aller dans le deuxième ciel. Ils cherchent quoi? Un corps. Parce qu'ils habitaient dans des corps. Mais les principautés n'habitent pas dans les corps. Personne n'était possédé par un ange déchu. Mais les gens sont possédés par des démons. Alors, Jésus en parle, il a dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire en moi. La première chose sur la liste, vous chasserez les. Je mettrai inimitié. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence du serpent. La sémence du serpent. C'est l'infini. Ils sont devenus des esprits qui habitent des corps. Et quand Jésus les voit, il les chasse. Ils n'ont pas de place. Amen. Aïe. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Ça m'a pas moi le banaï. Il est 20h, je dois clôturer. 20h et coquet, c'est un assouli ça. Que Dieu bénisse sa parole. Ça m'a pas moi le banaï. Baisse la colonne pour ma place pour la mort de Dieu. Le vieux est bon. Non. Il y a ton voisin le vin nouveau. Les vins nouveaux. Dans des outres neuves. Dans les outres neuves. Mais du vin les démons. Au nom de Jésus, on chasse. Jésus a chassé les démons partout où il allait. Yes, so manobe ngabade mon escan so bande kokin. Illimité bazo kanata. Partout il allait. Il arrive à Gadara. À quoi il a Gadara? Un homme possédé de légions. Montant fort dans la balle, bah démon est venu. Se jeter à terre. À quoi il a mabélé? Yeah. Ah bien. Dieu est venu nous perdre avant le temps. Il est venu au bout de sa vie, ça va. Inimitié. Kosanga boyokani. Il a dit bon, on va pas errer. Habite au même dans les pourceaux. Si habite au tanga taban yabangulu. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui? Même la nourriture est corrompue. Ah, t'as fait soulami. Il y a des arbres qui ne sont pas des arbres naturels. Et ça, la bandité, pénaté. Créé dans les labos. Oui, qui est la mine à labo. Même la nourriture. Ah, t'as bilé. Notre Dieu, Dieu, en Dieu, en regardant la terre, il ne trouve plus le naturel qu'il avait créé. Il te métamorphose. Nion, c'est bon, moi, n'a pas ta bilé. Les enfants, ils ont les teints clairs. Ah, t'as banda, ils ont grossi, ils ont maigri. Bah, kondi, bah, kongonene. Dieu est offensé. Zambe Benda parce que se passe à Hollywood. Na oezole kan Hollywood. C'est vrai, on peut se coiffer. Solo toyo katasuki. On peut retoucher un peu. Ogo si on moke. Mais les gens ne veulent plus vieillir. Batwa lingo ko la susto ko ma bagete. La loi des choses. Le vieillir est devenu un stress pour les femmes. Koko le komi penza stress pour na basi. Je vais monter ma poitrine. Et c'est na tombola tolo na ngai. Et c'est na bongisa moi si manangai. Na blongola li bumwe zonga. Qu'est-ce qui se passe avec Hollywood aujourd'hui? Il y a un autre zone kan Hollywood lelo. L'homme ne veut plus être naturel. Mon toilinga c'est un dernier zambakela qui était. Mais le naturel va te rattraper au galop. Kasi yango ekolanda yo kaka. Tu vas devenir comme Naomi Campbell. Naomi Campbell. Devenir comme Sharon Stone. Okoma logola. Parce que tôt ou tard tu vas vieillir malgré ta beauté. Okoma kama mobanga attaque bonzenga na yo. Jésus revient bientôt. Jésus soit dans la minité. Ouvrez les yeux. Fungo la miso. Nous sommes comme au temps de Noé. Tosa logola tango Noa. Dans cette église, nous aurons beaucoup de séminaires eschatologiques. Na église otokozanaba, likinomoko eschatologique. Pour rappeler aux gens que les temps sont courts. Pour na kobi sabato de temps ko moke. Mais je pense qu'il faut qu'on expose d'autres choses que les gens ne connaissent pas. Na zobande de seigneur tanda makam no sobato ba ibina moke. On est corrompu. Moki le sous l'ami. Les plantes. Même les animaux. Est-ce que vous savez ah, tabani ambo zo ebang. Clone les animaux. On a même fait une expérience, on a mélangé l'homme avec l'animal. Je vous citerai en faire des projections. Je vous expliquerai beaucoup de choses. J'ai pas envie de me perdre. Nous sommes comme au temps de Noé. La création est corrompue. Et que la mounion soit sous la main. Très peu qui sont restés
biologiquement parlant, intègre. Et Dieu détruira la terre. Avant que cela ne vienne pire, Dieu va nous enlever. Voilà pourquoi, sois avec un homme que tu connais. Quelqu'un va déposer sa sémence, son sperme en toi. Mais il n'est pas un être humain. Et dès que ça entre en toi, pauvre frère qui t'aime là, qui veut t'épouser, commence à prier pour chercher la délivrance de ton ventre. Pour avoir des enfants, c'est quoi? Parce que quelqu'un de comme ça était passé par là. Et il a déposé son sperme. Je vous ai dit, il y a des choses qui se font et que Dieu n'a pas permis. Mais des choses qui sont vraies sous le soleil. Allez dans les villages, vous allez voir qu'il y a des choses qui se font. Sous le soleil. Le soleil de Dieu ici. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, tu es de la sémence de la femme. Tu vas avoir la colère. Et c'est moi qui Amen. Que Dieu te rende allergique à la présence des démons. Amen. Démons dans une maison. Dans un quartier. Sur une avenue. Dans une pièce de la maison. Dans une personne. Que Dieu te rende allergique à la présence des démons. Jésus les expulsait des corps. Allez, sortez. Laissez la création de Dieu. Quand il venait avec des maladies. Quand le démon partait, la personne était guérie. Les démons n'aiment pas les corps. Ils aiment pour y habiter. Et quand ils y sont, ils détruisent. Ils amènent des choses terribles. Quand les démons sont derrière en très grand nombre, ils sont capables d'étouffer ta volonté. Tu n'aimes pas, mais tu voles. Au Bénin, j'avais un ami kleptomane. Donc, vous savez, une femme, elle était femme d'un pasteur à la borne. Son mari est mort. Ma mère connaît parce qu'on habitait à côté. Je vais le citer, le pasteur Christian Lucilao. Le premier pasteur célibataire après Jésus la chair de la borne. Je dis pas ça pour parce que les gens connaissent l'histoire. Cette femme là habitait chez maman, une amie à ma mère. Moi c'est maman enfant à mon nga maman nga. Juste la venue derrière là. Na sima elle a venu à sima na biso. Donc elle est entrée à côté. Elle est entrée chez le locataire. À côté va au locataire. Là où le mari avait mis l'argent. Et si quand mon bal a tiré mi solo. Donc elle entre, c'est comme des esprits qui a dit Dieu, comme il y a des gens qui ont l'esprit de kleptomanie. Tu vas appeler ça c'est la kleptomanie? Non, ils appellent démons. La personne ne sait pas comment, mais elle se dirige. Elle va monter, abouti, le plafond, à fond le plafond. Et elle prend l'argent là où à qui on sur le personne ne l'a indiqué. Où sont les caméras? Mais qui l'ont montré cela? Oh, là, qui sont les démons qui sont en elle. Bah, démon, bah, ça, il y avait un ami à nous à Cotonou. Exemple. Son père était dans le diamant. Son père a gardé dans un coffre fort. Papa n'a pas tenu bon dans un coffre fort. A comme dans un coffre fort. Comment il a su? Le n'a pas qu'un démon. Bah démon a cassé naïe. Mais pourquoi tu voles? Pour nos oeufs. Je sais pas. Ah mais on a évité. Si je vole pas, je suis pas allé. Si on a évité dans un coffre. On a connu un frère comme ça. Tout le monde au début de la map, vous rappelez de lui? N'est pas de la map. Même ici à GP, il est. Attends, GP à la kipe. Un jour le courant est parti. Quand le courant est revenu, tout le monde a commencé à pleurer à la retraite. Mes bijoux, mon téléphone, mes habits, mon argent. Et le frère là, il dit non, je ne sais pas. Habiter, n'habiter. Je ne sais pas. N'habiter. Je ne sais pas. N'habiter. Tu rappelles ce frère? Je ne sais pas là où il est parti. C'est les démons. Bah démons ne passent qu'à un jour. Il avait volé au fait une grande mère. Aïba qui pensa. Il avait volé le pain. Aïba qui lit pas. Cette femme qui vendait le pain. Moi je suis maintenant Iba ma pas. Ah. Tu as volé mon pain. On a tes gars. Partout tu iras. Et sans aucun. Tu voleras. Ogo iba. Et à sa parole. Na ilo manaye. Les démons sont entrés dans ce. Bah démon na bako tu peux aller quoi. Il prie. Abonde là. Il prophétisait. Assez quoi la sacola. Frère. Possédé. Avant ni sème na bah démon. Est-ce qu'on peut chasser les démons ici? Togo bien la bas démon là. Donne 3 minutes avant que tu arrives aussi. Ben 5 minutes il m'sort au sugi ça bon. Bote les mesca vos amis. Faut pas aimer les démons. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas démon à te chasser? C'est vrai qu'on bien la bas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est clair? En mon nom.
Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse tout démon. Tout démon. Contre ma vie. Contre ma vie. Ma destinée. Ma santé. Mon attitude. Mes humeurs. Mon caractère. Et ma destinée. Allez, commence à chasser. Dans le nom puissant de Jésus, je vais chasser tous les démons qui se sont levés contre ma vie, tous les démons qui ont possédé ma vie. Je chasse maintenant tous les démons dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tout démon qui a possédé ma vie, tout démon qui a possédé chassez mon attitude, mon humeur. Je t'ordonne de libérer ma vie, je t'ordonne de sortir de ma vie, chassez dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous chassons tous ces démons, nous chassons tous les démons de nos corps, de mon corps. Je vais chasser tous les démons qui ont possédé mon attitude, qui ont possédé mes humeurs, qui ont possédé mes pensées. Sortez, libérez ma vie au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je vais chasser tous les démons dans le nom de Jésus. Je vous ordonne de libérer ma vie dans le nom de Jésus. Je vous ordonne de libérer mon corps dans le nom de Jésus. Je vous ordonne de libérer mon corps au nom puissant de Jésus. Chasse tous les démons. Chasse tous les démons. Nana, la sémence du serpent. Chasse les démons. Benana konaka, benana inimitié. Le nom puissant de Jésus. Tu as placé l'inimitié. Zamba tia ki kosanga kolokana. Chasse. Benana. Chasse. Benana. Chasse. Benana. Je vous ordonne. Chasse. Benana. Le démon sort de ma vie. Chasse. Benana. Chasse. Benana. Chasse. Je te chasse maintenant. Sors, libère ma vie, libère mon être, libère mon âme. Au nom puissant de Jésus, je te chasse de mon corps. Sors, libère ma vie dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Allez sors de ma vie, allez sors de mon corps. Allez, sors, toi démon, là où tu t'es caché, je t'ordonne maintenant, aujourd'hui, libère ma vie, tu ne te cacheras plus, quel que soit l'endroit où tu étais caché, où tu habitais, dans mon corps, aujourd'hui c'est la fin de ton règne. Allez, libère, vous êtes démon, je vais vous possession de ma pensée, je vous possession de ma volonté, mais aujourd'hui, c'est ta fin. Allez, sors, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, toi démon, sors, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Mets les deux mains sur la tête. Que Dieu te garde. Que Dieu te préserve. Que Dieu te protège. De ceux qui ne sont pas des humains. Jeune femme. Femme. Maman. Que Dieu te préserve. De tout homme. Qui est un mi-homme, mi-démon. Que Dieu te protège. Jeune homme. Papa, père de toute femme. Il y a moi signos qui n'est pas une femme. Oui, Azali, moi cité Amoki. Et mi femme et mi démon. Aza, moi cité Azapé démonaté. Que Dieu te préserve du mal. Zamba bomba na mabé. Que Dieu te garde et te protège. Zamba batte la pa bomba yo. Que le sang de Jésus te couvre et te garde. Makila Yesu esi popé bomba yo. In the name of Jesus. Na tombo na Yesu. Dieu t'a donné le pouvoir. Zamba pesa ki on pifo. De marcher sur les serpents. C'est eux les serpents. Bangonde banyoka. Et les scorpions. Ba scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Likon on pifo nyoso ya mungu. Et rien. Pe lo côté. Pour avonuer. E kobe bisabino. Vous êtes plus que vainqueur. Vous accolez Kabalon sur tout esprit impur. Au nom de Jésus Christ. Disons Amen. Amen. Acclamez, mettez-vous. Mettez la colombe en comme à Castofani. Combien sont bénis ce soir? Oui, ma pambo la mina poko alelo. Voilà, dans les minutes qui suivent, nous allons tous sortir d'ici ensemble. Combien sont bénis par ce message? Si vous voulez acclamer très fort, acclamez très fort. Mettez la colombe en comme à Cassi. Acclamez très fort. Mettez ma boko ma Cassi.
Amen. Combien sont venus pour la première fois ce soir? Vous lever. Merci. Levez-vous, s'il vous plaît. Acclamez. Les protocoles, acclamez. Est-ce qu'on peut les acclamer? Levez-vous, saluez-les. Est-ce qu'on peut les saluer tous? Gloire au Seigneur. Amen. Restez debout. Vous êtes bienvenus parmi nous. Si vous n'avez pas d'église, cette église est votre église. Église. Nous lançons officiellement les activités le 1er avril. Si vous avez déjà votre église, soyez tous les bienvenus à nos programmes. La semaine prochaine, déjà, nous avons un grand programme dont vous êtes mes invités personnels. Merci d'être venu. Qui vous invite? Seul. Télé, radio, internet. Ok, God bless you. La télé, ok. Ok. Merci, mettez-vous. Vous êtes les bienvenus. Oui, madame. Nous sommes très contents de vous avoir ici. Je donne rapidement les communiqués. Lundi, nous avons Sunday, we have Miracle Sunday. Miracle Sunday. And we are going to start at 5 p.m. Our service. Go ahead. Je vais vous dire des choses. Hein. Viens. Tu sais, à Kasumbalesa, il y a des gens qui ne parlent pas anglais. Ils ont parlé anglais. Mais il va aller en Zambie, on parle anglais. Il va voir des féticheurs. Okay, on met quelque chose sous la langue. Et il commence à parler anglais. Oui, anglais. Yo. Fluently, English. Tu sais pourquoi? Parce que les démons qui habitaient dans les corps de ceux qui parlaient anglais connaissent l'anglais. Et ils entrent dans les corps de ceux qui ne parlent pas anglais. Ce sont les esprits. Ils ont un milimo. Vous avez l'esprit qui habite dans le corps de ceux qui parlent russe. Amen. Amen. Il y a ton voisin dimanche. Dimanche. Là, je suis à l'introduction de l'introduction. De l'introduction numéro. Il y a trop à dire. Ils ont un mingi à Koloba. Je bénis Dieu pour la porte de Dieu. La porte de Dieu est venue répondre à plusieurs questions. Donc je vais prier pour toi. Na obonde apo na yo. Commencer à parler anglais. Anglais. Amen. Okay? Amen. Parce que l'esprit qui sonne tout. Oyete molimo e me ganyoso. Même tous les coups de molimas. Atandi banyon nous nous sommes molimas. Il habite en toi. Evandigati na yo. Amen papa. Amen. Lève la tête. Amen. Amen. Nous allons commencer à 16h. Tobana 16h. Soyez très nombreux. Vous allez bélé. Bon, OK. À 16h. À 16h. Nous serons ici dans la louange, l'adoration. Et je vais parler de ces choses. Je vais vous révéler des choses. Ne ratez pas. Ne rate pas. Venons en famille, ok? Et ce dimanche, c'est spécial action de grâce. Tu as fait pour nous de grandes choses durant les 40 jours. Et le Seigneur m'a dit de dire à l'église et à tous ceux qui nous suivent en direct. Tu as fait de grandes choses pour chacun d'entre nous ici. Et nous avons vu avec les yeux visibles, avec les yeux spirituels. Et Dieu nous a appelés, nous a convoqués. Selon Psaume chapitre 50. Tu as convoqué son assemblée. Qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Et Dieu nous a demandé une action de grâce. On commence avec le chiffre 8. 8 millions, 800 millions, 800 millions, 8 milliards. 8 dollars, 80 dollars, 800 dollars, 9 000 dollars, 80 000 dollars, 800 000 dollars, 9 millions de dollars, 4 millions de dollars. Oh, est-ce qu'il y a des millionnaires ici? Ma millionnaire, bah, ça, vous êtes là en train de me suivre. Est-ce que vous, vous avez été béni par les enseignements, par la prière, par les miracles. Vous dites non. Obité. Tu dois rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu par ce qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. Nous avons parlé de ça depuis dimanche. Préparez-vous.
Prépare ton mari, prépare ta femme. Préparez-vous en famille. Amenez votre sacrifice d'action. Ce dimanche, Lomingoyo, je vais prendre ça comme gardien de l'hôtel. Et je vais vous bénir. Par la grâce de Dieu, les travaux continuent. Donc, on est déjà, demain, ils vont finir tous ceux qui sont en train. Il y a encore beaucoup à faire et qu'on va devoir couvrir à cause des clims qui vont entrer là. Les travaux sont... Nous avons beaucoup de choses à faire. Je vais d'abord prendre les dîmes et les enveloppes de l'hôtel, prier pour vous et dire une dernière chose, préparer le programme et vous libérer. Combien ont mené leur dîme ce soir? Vous avez votre dîme, votre offrande, mettez déjà votre offrande de côté, votre dîme, une enveloppe de l'hôtel. L'hôtel, ce n'est pas seulement devant. L'hôtel, c'est aussi la maison de Dieu. Nous avons beaucoup, beaucoup de choses à faire. Avancez d'abord. J'aimerais que tous ceux qui sont là avancent. Vous avez vos enveloppes de dîme. Et dans l'hôtel, vous tous qui êtes là, qui me suivez, vous pouvez envoyer votre dîme ou l'enveloppe de l'hôtel. Nous sommes en train de travailler les lieux, climatiser la salle, mettre les carreaux dans la salle, aménager le lieu où préparer la façade extérieure, le parking, rendre ce lieu excellent. Nous avons un grand programme la semaine prochaine. Vous pouvez s'aimer maintenant. Partout où vous êtes, envoyez votre sémence sur www.gf.opérationmm.com. www.opérationmm.com. Allez au bas de la page. Opération sans accent. Vous allez voir, faites un don. MasterCard, PayPal, Visa Card. Ou même par Western Union. Beaucoup plus facile encore. Western Union, MoneyGram. Il y a un numéro de téléphone là au bas de l'écran. Et ça, mon temps au Mogwana. C'est plus 243 81. Le numéro de 451. Voilà ce numéro-là. 45 44 45 44. Le téléphone est là. Mon temps au téléphone est là. Sur WhatsApp, on vous donne toutes les coordonnées. Envoyez votre participation dans ce canal. Dieu vous bénira. Ça m'a pas embolé non solo. Pensez. Vous bénir. Oh, acclamez très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prêter nos offrandes. Nous allons prêter nos offrandes rapidement. Prête ton offrande, Père, nous bénisse nos offrandes. Papa, tu pambole ma kabona bicho. Arrose ceux qui arrosent. Priez au nom de Jésus. Amen. Avancez avec les offrandes. Bénis-moi le nom de ma cabo. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Mon Dieu. L'offrande du prophète, une manière pour eux, après avoir donné à l'église,
ils viennent s'aimer dans la vie de l'homme qui a enseigné. Il est écrit que celui à qui on enseigne la parole. Et comment mes mots God bless you. Ceux qui reconnaissent la grâce, qui valorisent les choses distantes. Bless in Jesus' name. Amen. On peut donner une offrande d'acclamation. Voilà. Le 1er avril, 2018, ce ne sera pas un poisson d'avril. Après des années, enfin. Après le Lubumbashi, après Namibie, la porte des cieux est officiellement lancée. Et la PNP, à Kinshasa, le 1er avril. Je disais le 1er avril. La porte des cieux est lancée officiellement. À Kinshasa. T'amène bien. Amen. Le 1er avril à 8h. Nous serons là pour notre premier culte le dimanche matin. Bien habillé, bien cintré, bien. Amen. Amen. Et pour l'occasion, les mamans et les femmes de l'église ont décidé de nous faire vêtir de pagne. Notre beau pagne que nous avons choisi. C'est beau, n'est-ce pas? Regardez, est-ce que c'est beau, n'est-ce pas? Oh, non, dis à ton voisin, c'est beau. C'est beau. Voilà. Montre mon fils. L'accent moi. Merci mon fils, it's okay. Le panier là, il est à $12. Ils ont $12. Sia. $12. Tu peux faire comme les Nigériens. Tu fais le bonnet. Au bonnet. Fais la chemise, pantalon, même les chaussures. À ta chaussure. Tu es maman. Maman. Foulard. La blouse. Même le pain qu'on met ici. À ta. Et le pain. Si tu veux, au Sénat, on a Mayaka. Tu fais tout ce que tu veux. Ça n'a pas. Pasteur Angelo peut faire ça. Lui, c'est un vrai Moulouba. Toi, je n'en doute pas. Tu as ça dans le sang. C'est génétique. C'est mutation génétique. Donc, le pan est là. Achetez-le. Le premier, moi aussi, je serai en panne. Dis amen bien. Amen. Mais bon, je mettrai un costume, bien évidemment, un moment. Mais après, Asima. Je vais aller à Wakanda. Donc voilà, nous serons en panne. Achetez le pan maintenant. N'attends pas que quelqu'un achète pour toi. C'est il faut pas quand le premier, tout le monde sera en panne, toi, tu seras en panne. Tu seras désempagné. Crois-moi, ça ne sera pas très agréable. Même sur les photos, tu seras vraiment... Alors, achetez votre panne. On va faire un gilet, on va faire un costume, je pense que c'est la quoi pour faire des gilets. Hein. Même le protocole. Voilà les idées. Oh, il fallait me demander depuis. Hein, ma fille, c'est ça. Hein? Une autre idée aussi. Ok, bon, vous allez arranger. Alors... Le panier est là, achetez-le maintenant. Après la prière, vous voyez maman Patricia, maman Béatrice, balancez la main. Balancez les mains. Voilà, vous allez voir ces femmes maman. Et elles vont vous vendre. Achetez le panier. Achetez ici. Oh, n'ayez place Bateka. Ici. Ici. Y a ton voisin, achète ici. Achetez le 1er avril. Tous à la maison dans son uniforme et ça l'a bien. Amen. Merci mon fils, acclamez très fort pour le Seigneur. Merci. Là on acclame pour les femmes, les mamans, les sœurs de l'église. Merci pour ces initiatives. On sent qu'on a des femmes à l'église. Amen, amen. Voilà, communiquez. À partir du mardi, nous commençons. Mardi soir, vendredi soir, International Prophetic Summit. De 17h à 20h, je vais enseigner.
Les vraies choses. Météorologie prophétique. Météorologie prophétique. Je suis mandaté par Dieu comme un agent de météorologie. Pour vous situer dans les temps et les saisons. Et vous dire ce qui arrive dans les temps. Oui, ne ratez pas le matin. Ce matin, j'étais à Midzozone. On est arrivé avec les pasteurs de Ngaliema. Ils sont un très grand nombre ici. C'était terrible le matin. Pendant que je parlais, un pasteur m'a dit, moi je ne crois pas aux apparitions d'anges. Je ne crois pas. J'ai dit, tu te mets. C'était chaud. On a fait sortir. C'est chaud. J'ai l'impression que j'étais à l'époque de Jésus. Jésus était là, les pharisiens, à l'attaquer de partout. Et vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance. C'est ce que je l'ai dit le matin. J'ai commencé à prophétiser, là j'ai arrêté. Je vais les ramasser seulement ici. Je vais les dépasser. Dites power. Power. Le matin, on aura Flaming Fire Conference. Flaming Fire Conference. Du mercredi. Mercredi. Non, encouragez mon fils, il est le meilleur, le meilleur. Oh, what's wrong? You bought him in anglais, oh. You bought him in anglais. Anglais, on a besoin d'un. Flaming Fire Conference. Flaming Fire Conference. Ah, the one okay. De 8h à 12h. Dans 8h, tu es à 12h. Venez avec invité. Écoutez-moi, les invitations sont là. Vous voulez inviter des gens le matin ou le soir. Les invitations sont disponibles. Après que tu voyais les protocoles, prenez un grand nombre d'invitations. Il y a des gens qui ne viendront pas à cause de la télé. Combien de gens ont vu les spots à la télévision? Vous avez suivi à la télé quelque part? Sur quelle chaîne? Cité, à haute voix. RTP, Kid 24, Congo Web aussi. Hein? Voilà, donc on va rajouter même demain d'autres chaînes. On a dit matraquage. Les affiches sont partout. Combien de gens ont vu les banderoles? Vous avez vu les banderoles, hein? Vous avez vu les banderoles? Ah, d'accord. Yo. Gloire à Dieu, on a fait ce qu'on a pu faire. Ce n'était pas évident, mais nous sommes pleins de foi. Dieu va attirer beaucoup de gens et Dieu va se glorifier. Vous voulez les enveloppes sont là. Et j'aimerais terminer ici et vous laisser partir. J'aimerais vous parler à cœur ouvert. Et parler à tous ceux qui nous suivent en direct. Vous savez, l'œuvre de Dieu est l'œuvre de Dieu. Mais comme Tel Osborne disait, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains. Dieu n'a pas d'autre jambe que nos jambes. Quand Dieu veut pourvoir à son œuvre, c'est son œuvre, c'est pas mon œuvre. C'est Dieu qui pourvoit à son œuvre. Mais pour pourvoir à son œuvre, il ne fera pas descendre de l'argent du ciel. Il passera par ses mains, qui sont vos mains. Vous voyez, nous sommes à la veille de la grande activité. Jour J-5. J'aimerais vous parler ouvertement. Il y a beaucoup de choses à faire qui nécessitent l'argent. Alors l'argent. Et je suis très sérieux. Quand je dis l'argent, je ne dis pas les 10 dollars, les 5 dollars. Je parle de l'argent. Que tu es en banque, que tu as mis à côté. Ou des projets pour un téléphone, pour une parcelle, pour une voiture. Dieu a besoin de l'argent. D'utiliser l'argent que tu as. Pour faire ce qui doit se faire ici. Je ne mentirai pas, je vais dire à la télévision. Une bonne partie de ce qui s'est fait ici est venu de ma poche. Une bonne partie. Plus de 50%. Je ne devrais pas exagérer. Pour ma propre poche. Et où est tous les travaux qu'on a fait ici, à l'extérieur, au-dessus, ici, c'est ma poche. Ce qui vient même par Internet et ce que vous donnez sert à régler les choses en général qu'on fait au quotidien. Quand on reçoit des musiciens, Yannick Toumba qui a chanté, il faut le donner. Mais si on regarde les offrandes, on regarde ce qu'on doit leur donner, les offrandes servent juste à couvrir certaines choses. On va prendre ce qu'on a, on va leur donner pour les honorer. Les instruments que l'on loue, le matériel qu'on loue tous les jours pour Internet, les instruments,
C'est l'argent. Ezamisolo. Là, on a une dette des instruments que l'on louait de 850 dollars. Pour ne parler que de ça. L'équipe d'internet qui travaille avec nous. L'équipe internet est installée. On pourrait vous bénir tous les soirs. Pourquoi nous et louer. Plus bas louer. C'est maintenant notre équipe. L'équipe la le matériel est loué pour le moment. Débasant la matériel. Par la grâce de Dieu, on va acheter notre matériel. Pour nous former le personnel, pour renforcer l'équipe des médias. Les plans sont là, les projets sont là, l'organisation est là, mais il y a des choses qui ne peuvent pas décoller sans argent. Et là, je ne dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent ici. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils pensent qu'il faut que le prophète, que ce soit le prophète qui fait ça. Que le prophète voit s'il revient. Dieu m'est témoin de combien je me suis sacrifié moi-même en tant qu'homme. Mes propres besoins en tant qu'être humain. Qui sont légitimes parce que je suis homme de Dieu. Pour me mettre à un certain standard même de vie humaine. Mais j'ai sacrifié des choses. Pour la maison de Dieu. Je ne dis pas pour parce que je suis qui que ce soit, non. Je le dis pour vous dire que si je peux le faire, vous pouvez le faire. On a fait une conférence à Déborah. Les gens vendaient leurs voitures. Les gens vendaient leurs parcelles. Les gens vendaient leurs bijoux. Parce que c'est la vision de notre Père. Et moi, vous avez dit, prophète, reviens. Quand j'étais au Rwanda. Prophète, reviens. Quand j'étais au Burundi. Prophète, reviens. Quand j'étais au Lubumbashi. Prophète, reviens. Maintenant, je reviens. C'est qu'on a je suis là maintenant. On ne peut pas travailler ensemble. Pourquoi dois-je tout payer seul? Pourquoi je dois voyager, ramener tout l'argent que j'ai pour construire? Pourquoi je dois faire une tournée tout ce que j'ai? Même acheter quelque chose à moi. Mais pour tout dans la maison. Je ne me rappelle pas les semaines qui sont passées. Quelqu'un venir avec 1000 dollars. $1,000. 1000 dollars, prophète prend. Quelqu'un venir avec 500 dollars. Prophète prend 500 dollars. Mais nous achetons les parfums. Nous achetons les parfums. Nous dépensons dans les restaurants. Nous mettons du carburant. Nous voyageons. Nous faisons ce que nous faisons. Et c'est le prophète, c'est son église. Demain, quand je vais commencer à moissonner, vous allez être encore ceux qui vont insulter en disant les pasteurs là, ils ont beaucoup d'argent et leurs collaborateurs n'ont rien. Ce sont des injures gratuites. En général, c'est moi qui fais tout. Je le dis vraiment du fond du cœur. Je ne dis pas pour prouver quoi que ce soit. C'est pour vous dire que allégez-moi et profitez de notre bénédiction à tous. Vous avez 1000 dollars, 500, 2000, 3000. Par exemple, on peut mettre la climatisation ici. Le bureau, pardon, le budget avoisine les 6000 dollars. 6000 à 7000. On va mettre deux grands splits. On va mettre une douzaine ici. C'est l'argent. On a mis des carreaux ici. On a à peu près dans les 5 000 dollars. Ici. Qui est venu avec 5 000 ici? Papa, tu es un homme de Dieu. Voilà ma contribution. T'as la contribution. Papa, ne parle pas beaucoup. Papa, pourquoi tu dois être à la télé? Prépare tes prédications. Bon, va en retraite. Cherche ton Dieu. Ramène-nous Mais je dois être encore là chercher l'argent. Pourquoi? Pour l'œuvre que je porte avec vous. Pour nous, je le dis même devant tous ceux qui nous suivent sur internet. Si je ne vous le dis pas, personne ne vous le dira. Dieu a mille moyens pour pouvoir à son œuvre. Mais il ne faut pas charger son serviteur. Et c'est moins de temps de me concentrer. Moins de temps de prier. Et je ne prépare pas bien le rendement que je donnerai à la conférence. Parce que je dois prêcher le matin à des pasteurs. Le soir à tout le monde. Dimanche, ouvrir l'église. Et je suis à la télé tous les jours. J'ai des réunions tous les jours. Je dors après tout le monde, je me réveille après tout le monde. Parce qu'il faut chercher. Permettez à ceux qui viennent de vous de trouver notre église à un certain standard. Et tout ça, c'est seulement l'argent. Et tu as l'argent là où tu es. Mais tu l'as prévu pour autre chose. Dieu a besoin de ton argent. Ce n'est pas ton argent, c'est son argent. Si vous avez 500 dollars, vous nous suivez même ici en direct. Il y a des gens, et j'aimerais même dire, une bonne partie de l'argent et qui couvre beaucoup de choses via internet. L'équipe de finances est là. Les gens donnent plus
plus à l'extérieur que ceux qui sont ici. Parce qu'il y a la crise. Non, dans d'autres églises, on donne encore beaucoup d'argent. Portez cette œuvre à cœur. C'est votre église. Et c'est clé dans la Bible. Et quelqu'un se réveille. J'ai même mon fils, Maître Eddy est là. Maître Eddy. Il m'a appelé papa. Il a fait un message. J'amène 300 décimants. Ils sont là. C'est l'une des rares personnes. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu quelqu'un apporter les sacs de ciment. Tout le monde vient dire Amen. My Father. Oh, la révélation. Et mon lycée. Valorisez la grâce que vous avez. Parce que beaucoup de gens pleurent pour avoir ça dans leur poche. C'est même qu'il n'y a pas d'argent. Mais l'argent, c'est pour nos besoins. Permettez à votre père spirituel d'aller se reposer. J'ai maigri même là. J'ai le temps de manger, de me détendre, de lire ma Bible, de faire mes réflexions. De donner le maximum. Au lieu de faire beaucoup d'efforts, appelez quelques partenaires, appelez quelques fils. Et dit, l'église de ton père est en train d'ouvrir les envois là-bas. Pourquoi? Si j'ai des fils et des filles. Tout le monde a donné. C'est déjà le principe. Tout le monde a quelque chose. Ne dis pas, moi je n'ai pas. Le bijou que tu as, tu peux le vendre. Ça peut faire $300. La voiture que tu as, tu peux la vendre. L'argent en banque que tu as, tu peux le sortir. Seigneur, je sacrifie. Combien de fois j'ai sacrifié? Je ne peux même pas dire des choses ici. Ceux qui sont avec moi le savent. Je ne préfère pas dire ça en public. Ma propre dignité. Mais je sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Alors là où vous êtes, vous me suivez en direct d'internet. Vous êtes ici. Vous êtes béni par ce ministère. Dieu connaît mon cœur. Il me donne vraiment sans murmure. Ce que je dis seulement, c'est que j'aimerais voir des gens faire ça aussi. Ça va nous faciliter. Surtout que je suis prophète, j'ai besoin de rester très connecté spirituellement. On a fait 40 jours, j'ai prêché tous les jours. La semaine de transition, très chargée. La conférence, on doit affronter la conférence. Je veux porter les invités. Il va faire chaud peut-être le matin. Les pasteurs seront là. Il n'y a pas de climatisation. Et tout ça ne va pas beaucoup m'aider. Pour être sincère, ça ne m'aidera pas beaucoup. Si tu aimes ton père, tu respectes l'onction. C'est en étant comme ceci que tu dois faire quelque chose. Tu as $2,000, tu as $3,000, tu as $4,000. Tu as quelque chose que tu as mis. Appelle-moi. Papa, je suis venu. Prends 5,000. Prends 10,000. Prends 15,000. J'avais 20,000 quelque part. Je prends. Ne parle même plus d'argent, papa. Toi, je vais te dire. Parle de Dieu, prêche de la parole. Ne parle plus d'argent. J'ai besoin de fils et de filles comme ça. Papa, ne parle plus d'argent. Laisse-nous faire. J'ai besoin que des hommes et des femmes se lèvent. Fassent quelque chose. Déjà ceux qui vont commencer à faire comme les prémices. Venez prendre pour ce que vous allez donner dimanche. J'appelle toujours ça l'enveloppe de l'hôtel. Parce que c'est pour l'hôtel du Seigneur. Viens prendre l'enveloppe. Mais j'aimerais cette fois-ci que tu fasses quelque chose de différent. Tu peux aller dans ta banque, dans ton compte banque. Tu peux aller à ta femme, à ton mari. L'argent mis de côté. Si je ne vous parle pas, oh prophète, si je ne vous parle pas. Ça. Vous allez rentrer chez vous. C'est moi qui continue à réfléchir. Non, je parle, mais prophète, tu n'es pas encore rentré. Je reste ici en train de réfléchir. Comment je vais faire? Et pourtant, je dois avoir des gens qui vont dire, papa, comment on va faire? Voilà ce qu'on peut faire. On peut dire Amen. Amen. Regardez-moi. Comment? Regardez-moi. Talangai. Amen. Viens prendre l'enveloppe. Je n'ai pas dit ici, viens donner. Non. Donne quelque chose. Prenez ma mission, mon ministère. Donne quelque chose de conséquent. À la taille de ce que nous préparons. Les gens viendront de partout. Pourquoi les gens qui sont ailleurs? Ok. C'est ta montre. Okay. Dieu te bénisse. Elle a donné sa montre, elle a retiré sur place, elle a acheté ça à un peu moins de 300 euros, c'est ça? D'accord. Je veux vraiment des gens, mes fils et mes filles, c'est maintenant que j'ai besoin de vous. Pourquoi avoir l'argent de côté et tu meurs aujourd'hui
Et l'argent ne te sert plus à rien. C'est maintenant qu'il faut donner. C'est maintenant qu'il faut donner. Papa, j'avais 500, j'ai mis de côté. Papa, on a 500, je donne. Par exemple, à l'extérieur, on doit mettre des chaînes. Les chaînes seulement coûtent $600. Et ça, $600. 600. Il faut mettre le pavé. Pour que tu aies pavé l'Ibanda. Il faut aménager. C'est la face extérieure qu'il faut travailler. Finissez-moi. Aujourd'hui, demain, dimanche. Viens, vite. Tu vas écrire hôtel dessus. Vous allez écrire dessus hôtel. Donnez quelque chose de conséquent. Si tu donnes ce que tu donnes d'habitude, si on paie ça bon, mais ça non. Ne dis pas au moins je n'ai que ça. Tu as quelque chose. La femme l'avait dit, je n'ai rien. Mais je n'ai qu'un peu de d'huile. Et de farine. Et non, non, je n'ai rien à la maison. Mais je n'ai qu'une petite fiole d'huile. Même ceux qui disent qu'ils n'ont rien, ils ont quelque chose. Finissez-moi ces enveloppes. Si c'est dans le cas, ça, oui. Vraiment, faites un sacrifice. Vous me suivez en direct. Vous êtes bénis par ce ministère. Nous lançons l'église dans un contexte très hostile. Mais très bénis par la grâce de Dieu. La saison est bonne. L'atmosphère est bonne. Tous ceux qui s'aiment, moissonnent. Vous avez lu les témoignages. Il y a encore beaucoup de témoignages comme on voit ici. Des gens qui ont semé. Et les portes se sont ouvertes. Venez prendre. J'ai besoin de trois dernières personnes. Venez. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Pour la famille, Dieu te bénisse. Il reste les deux dernières. J'ai dit, finissez-moi ces enveloppes. Merci papa. Excusez-moi monsieur, il semble que c'est auprès de vous que nous louons les chaises. C'est lui? Il semble que c'est auprès de vous que nous louons les chaises. Et pas les tours. Je suis. C'est chez vous. Et nous sommes très honorés. Merci beaucoup de venir. J'espère que vous sentez à l'aise ici. À part le fait que les gens tombent des fois là. C'est à l'aise. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. Et j'aime bien votre chapeau aussi. Je pense que je vais négocier pour ça après. Dieu vous bénisse. Non, pas bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comment rentrer avec cette conscience? Non seulement la révélation des démons, mais rentrer avec la conscience que nous faisons quelque chose ici. Faites tout, même ce soir. Appelle ton mari, appelle ta femme. Dis, cet argent, je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ne restez pas main croisée en disant Amen, mon père. Non, votre père maintenant a besoin de vous. Aujourd'hui l'argent est venu d'Abidjan. $1,100 d'Abidjan. L'une de vos sœurs. Mon argent, j'envoie la contribution pour la conférence. D'Abidjan. Et je n'ai pas encore vu $1,000 ici. Je le dis en public. Quelqu'un veut le papa, voilà $1,000. $1,000. Fais le travail. Salamoussala. En cette saison, non. On peut faire plus que ce qu'on fait. On est à la veille d'une grande action. Aidez votre père à se reposer. Et, non à commencer à. Moi, je suis perfectionniste. Donc, je peux être là, je regarde qu'est-ce qui ne va pas. Il faut mettre la peinture, il faut rafraîchir les murs. Et ça me démange. Quand je suis à l'extérieur, je ne supporte pas ça. Je peux me reposer? Oh. Amen.